Le contrat de désendettement et de développement C2D, s'il est correctement exécuté, devrait aider à réaliser l'objectif principal de développement et de lutte contre la pauvreté et soutenir une croissance forte génératrice d'emplois. Ces propos sont de Théophile Ndoli Awa, président du comité technique bilatéral du CDD. Ils illustrent bien l'importance du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable. Le CDD en Côte d'Ivoire représente quelques 1900 milliards de francs CFA et va accompagner les projets de développement sur une quinzaine d'années. Nous voulons que cet argent soit géré de façon correcte. Nous voulons que cet argent soit investi dans des projets pro-pauvres, des projets qui permettent aux Ivoiriens d'avoir un mieux-être. C'est notre objectif et c'est ce que nous essayons de faire. Objet principal de ce séminaire, le manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable a été passé au crible pendant 2 jours. Les acteurs du CDD étaient soucieux de le mettre en conformité avec les principes clés du CDD que sont la bonne gouvernance, la transparence, le contrôle et la célérité dans l'exécution des tâches.